Salut les montagnards, aujourd'hui je veux vous parler de vêtements. Je vais vous parler d'une petite technique qui s'appelle la technique des trois couches et qui permet de ne pas avoir froid en montagne et en fait qui s'adapte à un peu toutes les conditions que vous pouvez retrouver dans le milieu montagnard. Alors cette technique des trois couches, c'est une technique qui est très connue. Elle consiste donc, comme son nom l'indique, à porter trois couches de vêtements. La première, c'est un t-shirt, donc c'est pour le haut du corps. Hein. La première, c'est un t-shirt qui sera un t-shirt un peu technique. Donc là, vous pouvez voir que, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est un t-shirt qui va absorber la transpiration, dans lequel vous n'allez pas forcément trop transpirer. Donc évitez de monter avec des t-shirts en coton. J'ai fait une fois, je ne le referai plus jamais. On transpire de ouf, c'est absolument horrible. Donc montez pas avec un t-shirt en coton, prenez un t-shirt de sport basique, ça va très bien. Sinon vous avez aussi l'option du vêtement moulant près du corps à manches longues qui peut être pas mal par grand froid, donc si vous faites des sommets un peu élevés et que vous êtes un peu frileux, ça peut être très intéressant, on transpire pas forcément beaucoup dedans et du coup c'est pas mal. Et du coup, ça peut être intéressant de porter ça si vous avez tendance à avoir froid en montagne. La deuxième couche, c'est celle que je porte ici. Alors moi, c'est un peu un truc de merde, c'est la polaire en fait. Donc c'est une couche qui va principalement vous servir à avoir chaud. Donc en général, on prend des polaires. Ça peut être autre chose. Moi, j'ai un vieux sweat un peu pourri, mais qui est un peu épais. Donc ça fait l'affaire en fait. Cette couche qui va vous servir à vous tenir chaud, c'est une couche que vous allez souvent enlever en fait parce que c'est quand vous allez commencer à faire un effort, vous allez vite avoir trop chaud du coup. Et c'est souvent ça que vous allez mettre dans votre sac, remettre, etc. Et la troisième couche, ça va être la couche coupe-vent, imperméable. Et donc en général une couche Gore-Tex. Donc ça c'est peut-être le vêtement le plus technique, c'est ce qui va vous coûter certainement le plus cher aussi. Vous pouvez prendre des vestes de ski, vous pouvez prendre... Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur internet ou dans les magasins de sport. Et là-dessus, je vous conseille vraiment d'investir parce que c'est quelque chose qui va vous durer très longtemps. Et c'est la couche peut-être la plus importante parce que c'est celle qui va vous permettre de ne pas être mouillé, de ne pas avoir froid à cause du vent. C'est celle qui va vraiment vous couper de ce milieu montagnard qui est un peu souvent froid, humide, etc. Du coup, avec ces trois couches, la première couche qui absorbe un peu la transpiration ou dans laquelle vous transpirez moins, la deuxième qui va vous tenir chaud et la troisième qui va vous couper de l'humidité et du vent, bah en fait vous allez être parfaitement équipé pour le milieu montagnard, vous n'allez pas beaucoup transpirer ou en tout cas moins, vous n'allez pas avoir froid et quand vous allez faire un effort, ça va vous réchauffer, vous allez enlever la couche qui tient chaud et vous allez garder juste deux couches, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais en général, ça dépend si vous êtes frileux ou pas. Et cette technique des trois couches, c'est vraiment important de la respecter si vous voulez pas avoir froid et être dans des bonnes conditions quand vous êtes en montagne. Vous pouvez rajouter une quatrième couche qui est la doudoune. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être intéressant quand vous êtes dans un milieu vraiment très froid. Donc quand vous faites des grands sommets, quand il y a beaucoup de vent, etc. Quand vous êtes sur glacier. Et donc cette couche-là, elle peut se mettre au-dessus de la polaire, par exemple, et en dessous de la couche Gore-Tex, ou parfois, si y a pas forcément, il ne pleut pas ou qu'il n'y a pas trop de neige, etc., vous pouvez carrément la mettre à la place de la couche Gore-Tex, c'est-à-dire que vous pouvez monter en doudoune et ça vous tient chaud. Donc c'est un élément, encore une fois, ça c'est quelque chose qui coûte très cher, les doudounes, si vous en voulez une de bonne qualité. Donc ça peut être un élément très intéressant dans lequel investir. Moi personnellement j'en ai pas parce que ça me suffit, les trois couches c'est largement suffisant pour moi. J'étais en haut du Mont Blanc, j'avais pas froid, il devait faire moins 20, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Après on n'est pas resté 10 ans, on est resté 1 minute 30 je pense. Donc voilà, mais c'est suffisant parce que en général en montagne on est souvent dans l'effort
Et donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des trucs très très chauds quoi. Donc la doudoune, moi c'est pas quelque chose que j'ai quand je vais en montagne, mais je sais que j'ai des amis qui sont un peu plus frileux que moi et qui l'utilisent, et c'est un élément qui peut être assez intéressant à avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et puis à télécharger votre bonus. C'est un petit guide pour bien démarrer le ski de rando, et puis il y a un autre bonus qui est pour bien démarrer l'alpinisme. Donc vous pouvez télécharger les deux en description. C'est juste en dessous, c'est gratuit et ça vous aidera à commencer et à progresser, à aller plus loin dans votre pratique. À plus, ciao !